Fatigué. Bon, bonjour tout le monde. Je vais être clair, net et précis avec tout le monde par rapport à ce qui circule encore sur une certaine page que je ne vais pas nommer car je ne lui ferai pas de pub. Mais honnêtement, bah tiens, je vais attendre vos réactions par rapport à ce que j'ai à vous dire parce que franchement, s'il arrive à voir, on va voir. Soit c'est moi qui suis à l'ouest, j'arrive pas à comprendre certaines choses. Ça fait du bien de vous en parler aussi, et puis ça va me soulager aussi d'un côté. J'en parlais pas plus que ça parce que j'attendais les critiques. J'attendais, ouais, Olive s'est servi du mouvement, de la contestation sociale, patati patata. Je vais attendre que tout le monde arrive. Je vous demande de le partager, comme ça j'aurai pas besoin de me répéter, s'il vous plaît. Partagez-le partout, 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 dès le début du live. Je vais attendre que tout le monde arrive tout de suite. Comme ça, on est tranquille. Je vais dire les choses avant que ça soit encore déformé, tronqué, manipulé, enfin, comme d'habitude, quoi, comme d'habitude. Je vais partager le live tout de suite sur les autres pages, comme ça sera fait, on sera sûr d'avoir tout le monde. Tiens, je le fais pas souvent, mais là, je vais le faire en plein direct. Bougez pas, mes amis, ça me prend 2 secondes. En attendant, je vous laisse partager le live un maximum, s'il vous plaît, parce qu'il n'y a que 13 partages pour l'instant. Partager sur une page, boum, Olive 3, partager sur une page, boum. Allez, je vous laisse arriver. Parce que il y a des choses, même quand tu veux pas en parler, ben on te force à en parler, ben je vais en parler. Et puis ça va être bénéfique pour moi. Et puis comme ça, les gens qui ont encore voulu, je sais pas, raconter n'importe quoi. Comme d'habitude. Comment allez-vous? Bah, ça va, sauf que je suis un peu surpris de certaines choses. Ça devient une habitude. Allez, je vous demande de partager un maximum le temps que tout le monde arrive, s'il vous plaît. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit pouce comme ça, avec un petit partage. Et puis après, je vais attendre vos commentaires par rapport à ce que j'ai à vous dire. Une certaine page sur Facebook où je nommerai pas le nom, que certaines personnes connaissent. Alors, il y a peut-être des gens qui ont vu cette publication, hein, qui a circulé, qui continue de circuler puisqu'elle n'est pas effacée. Hein. Bah, c'est pas grave, quand vous tomberez dessus, bah, vous pourrez réagir. J'espère que vous lui mettrez un petit commentaire juste derrière, à moins qu'il efface, hein, sa publication par rapport à ce live. Hein, c'est possible. Où on publie mon cabis. Olive Olive, scandale d'État, a ouvert une micro-entreprise. Et alors, il est où le problème? Il est où le problème? Aujourd'hui, j'ai une micro-entreprise et je suis apporteur d'affaires dans le bâtiment. J'ai toujours travaillé toute ma vie. Pour les gens qui me connaissent depuis le début, au début de la contestation, quand je me suis mis sur les réseaux, je faisais des lives dans mon tracteur. J'ai toujours bossé comme un dingue. Je n'ai jamais été au chômage. Jamais. Et j'ai pas, c'est pas une tare pour les gens qui y sont. Il y en a beaucoup qui y sont, qui aimeraient pas y être. C'est pas ce que je suis en train de dire. Alors, ça me fait rigoler. On est tout le temps en train de m'insulter de feignant, va travailler, tu profites des aides sociales. Alors, je touche aucune aide sociale. Aucune aide sociale. Aucune. Rien du tout. J'ai jamais eu le droit à rien, d'ailleurs, toute ma vie. J'ai toujours bossé comme un acharné. Les gens qui me connaissent depuis le début, quand même, je vais faire un petit remake. Olive Olive, il bossait sur la Côte d'Azur, il avait un logement de fonction, face à la mer, il payait pas de loyer, pas d'eau, pas d'électricité, j'avais un très bon salaire, j'avais le 13e mois, 14e mois, prime d'été, prime d'hiver, et quand j'ouvrais ma fenêtre, je voyais la mer en face de chez moi, et j'étais sur un hippodrome de 60 hectares. J'en ai perdu mon taf de tout ça, j'en ai perdu mon taf. J'ouvre une micro-entreprise il y a quelques mois, en tant qu'apporteur d'affaires, puisque je connais beaucoup d'artisans dans le bâtiment, puisque j'ai été à mon compte pendant 10 ans. Je connais beaucoup d'artisans dans le bâtiment qui bossent correctement. Et je connais des gens qui ont besoin d'exécuter des travaux. Je fais une mise en relation, et comme ces artisans, je leur amène pas mal de boulot, forcément, ils arrivent à baisser les prix pour le particulier qui va faire les travaux de l'autre côté. Donc, premièrement, le particulier, il gagne. Il a des prix qui sont moins chers que les autres. Avec des entreprises que je connais, où j'engage ma responsabilité quand je fais ça, forcément, pour essayer d'avoir un travail convenable de l'autre côté, et ces entreprises me versent, forcément, un dividende que je facture. Il est où le problème? Non mais, il est où le problème?
Est-ce que j'ai le droit d'avoir une micro-entreprise, oui ou non ? Alors, les baveux des réseaux sociaux qui ont publié mon cabis et machin et bidule et truc, alors c'est pas ce qu'ils avaient publié d'avant d'une entreprise qui avait fait un dépôt de bilan il y a quelques années. Hein. Vous savez, les entreprises qui font des dépôts de bilan, il y en a tous les jours. Hein. Il y en a tous les jours. Hein. Il y a que celui qui fait rien qui arrive à rien. Moi, je vous le dis. Hein. Je vous le dis, hein, très honnêtement. Donc, publiez tout ce que vous voulez. Vous connaissez rien du tout. Les trop à deux balles. Là, c'est mon cabis, là, de l'entreprise que j'ai ouvert cette année. Est-ce que j'ai le droit? Je vous pose cette question, mettez-moi un commentaire. Est-ce que Olive Olive a le droit de travailler? En fait, c'est un truc de ouf. Au quotidien, Olive Olive est un feignant, se sert de machin, se sert de ci. Je monte une boîte, je me fais encore critiquer. Il y a des gens, ils marquent. Ah bah voilà, il s'est servi des réseaux, il s'est servi de la contestation pour avoir du monde autour de lui et maintenant il crée une entreprise, c'est un enculé. C'est un truc de malade. Donc publiez mon cabis. Là? Ouais, par rapport à mon entreprise d'apporteur d'affaires. C'est un truc de malade. C'est un truc de ouf. Alors, je voudrais juste simplement pour savoir si moi je suis complètement taré, est-ce que j'ai le droit en fait? Non, parce que tu travailles pas, on t'insulte. Tu travailles, on t'insulte. En fait, je voudrais leur poser la question à ces gens-là. À quel moment on n'est pas insulté? À quel moment on n'est pas insulté? Ben, moi, je sais pas. Il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. Oui, t'as le droit, t'occupes pas d'eux. Franchement, c'est un truc de ouf. Hein. Il y en a marre de quoi? T'es en train de les nourrir. Ouais, je les nourris, mais normalement, je suis obligé de me justifier parce qu'ils racontent n'importe quoi. C'est un truc de ouf. Alors, du coup, ben, moi, je vais pas te mentir. Regarde, du coup, j'en avais pas parlé sur les réseaux sociaux, et ben là, maintenant, j'en parle. J'en avais pas parlé parce que là, je voulais pas que les gens disent « Olive Olive se sert de ça pour avoir des clients, machin, bidule ». Ben voilà, là, j'en parle. S'il y a des particuliers qui ont des travaux, que ça soit extérieur ou intérieur, en bâtiment général ou en aménagement extérieur à faire, vous m'envoyez un message, il y a une boîte mail quand vous m'envoyez un message sur la page, et on y répondra. Et puis, s'il y a des entreprises, des artisans qui ont besoin de taf, envoyez-moi un mail, et si je peux vous envoyer des clients, je vous enverrai des clients. Voilà, tout simplement. Voilà. Puis ceux qui sont pas contents, ben vous êtes pas contents. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un truc de fou. En tout cas, moi, je vais continuer dans ce que je fais. Voilà. Je vais continuer dans ce que je fais. Et c'est pas parce que j'ai fait ça, justement. C'est une aubaine pour moi. C'est une aubaine. Parce que c'est juste de la mise en relation et c'est vrai que ça me dégage beaucoup de temps et j'ai beaucoup de temps libre à côté. Ça me permet de continuer de faire de l'entraide et de la contestation sociale parce que j'ai jamais rien abandonné et je vais jusqu'au bout. Jusqu'au bout des choses. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je dois faire de plus? Je ne comprends pas. Mettez-moi un commentaire parce que je vous jure que je vais les lire. Et partagez, s'il vous plaît. Parce que je vais pas me répéter 10 fois. Au moins, si vous faites le boulot de partage, et je vous en remarque, et je vous en remercie, parce que bien souvent, vous partagez les choses, au moins, ça y est, c'est dit, c'est bâclé, j'en parlerai plus. Mais c'est quand même un truc de fou. C'est un truc de fou. En fait, il y a des gens, ils auraient juste voulu... c'est pas du tout un sous-métier, hein. Mais ils auraient voulu me voir, ils auraient voulu me voir paumé ou finir à la rue, malheureux, tout perdre. Là, j'ai rencontré une femme formidable, et ben tant mieux. J'ai du taf, je continue la contestation sociale, je continue l'entraide. Mais il est où le problème, en fait? Il est où le problème? Après, j'ai vu à côté, Olive Olive fait des TikTok. Mais alors? J'ai le droit de faire des TikTok si je veux. Il est où le problème? Qui sont ces gens qui vous disent ce que vous avez à faire? Qui sont ces gens? Mais qui sont? Quelle est cette société-là? Quels sont ces individus qui vous disent « Non mais t'as pas allé sur TikTok hein? » Du coup, j'ai pas allé sur TikTok. Mais je vais où je veux. Je fais ce que je veux. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça marche pour toute la France, ta boîte? Ça marche pour toute la France. Toute la France, toute la France. Après, j'ai vraiment des secteurs où on est le plus implanté. Côte d'Azur, où je connais beaucoup d'artisans. Et toute la région du Nord, on va dire. Toute la région du Nord. Vraiment, le Nord et Paris, pour les gens. Après, avec de la mise en relation, aujourd'hui, je connais énormément de monde. Et on peut faire de la mise en relation un peu plus large. Bon, merci d'avoir partagé. Je voulais faire cette mise au point parce que sincèrement, ça me gonflait les bonbons. Honnêtement, ça me gonflait les bonbons. Je vous embrasse et puis je vais lire vos commentaires pour savoir un peu ce que tout le monde en pense parce que je sais pas, soit c'est moi qui suis fou, j'ai des choses que je comprends pas. Bisous.